Nouvelle lieu dans le pays d'Haïti, police nationale haïtienne a recevoir soin d'urgence dans un hôpital privé, d'après un accord Premier ministre Joseph Jout signé avec responsable. Opposition politique en Haïti pas semblé à utiliser même stratégie pour forcer le président Jovenel Moïse remettre pouvoir avant ou 7 février 2021. Direction politique, opposition démocratique a mandé un gouvernement de transition pendant que le parti politique proche pouvoir a négocié avec une autre branche opposition pour une entente minimale pour résoudre la crise là. Élection aux États-Unis, candidat parti républicain Donald Trump avec candidat parti démocrate Joe Biden, mettez-vous d'accord pour ne pas empêcher l'autre de parler pendant le dernier débat qu'il a fait jeudi 22 octobre. Là. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans Rendez-vous Info aujourd'hui, mardi 20 octobre 2020. Nouvelle lieu a mené nous dans le pays d'Haïti, côté l'État haïtien signé un protocole d'accord avec l'hôpital privé Bernard Meuse pour les policiers haïtiens aux soins si vous êtes victime pendant le travail. Un reportage, Emmanuel. C'est en présence Premier ministre pays d'Haïtien, Joseph Jout, ministre Justice et Sécurité publique, Rockefeller Vincent, représentant l'hôpital Bernard Meuse, et au commandement police nationale, protocole d'accord s'assigne. Premier ministre, Joseph Jout, fait qu'on est président républicain, contribué dans l'accouchement Siati à Kossa. Il ne se passe une semaine sans que le chef de l'État, son Excellence Jovenel Moïse, pas mandem côté contrat ça pour policiers. Consciente de cela et compte tenu de la faiblesse de notre système sanitaire, le gouvernement a décidé de conclure un contrat avec l'hôpital Bernard Meuse qui dispose de la capacité à répondre, entre autres, aux soins d'urgence que nécessitent les traumas auxquels s'exposent assez souvent nos frères policières et policiers. Toujours selon le Premier ministre Jout, risque pour gagner victime accident de travail élevé en pile caille policier. Il fait comprendre les conscients de ça pendant le prend en compte en faiblesse système santé. Joseph Jout précisé, accord avec l'hôpital Bernard Meuse pas remplacer assurance Ofatma qui va continuer à exister pour policiers. L'accord avec l'hôpital Bernard Meuse ne remplace nullement l'assurance Ofatma qui continuera d'exister également pour les policiers. Il vient apporter un plus en faveur de nos vaillants policiers afin de suppléer un manque important en réponse au risque énorme qu'ils encourent tous les jours dans leur travail. Bon côté par le ministre Justice, Rockefeller Vincent, fait qu'on est, si y a-t-il à quoi ça, c'est concrétisation, volonté politique, administration Moïse Joutlan, pour porter soutien sans faille à l'institution police nationale. Cette cérémonie de signature de contrat témoigne de notre détermination de mieux protéger nos policiers contre les aléas de la vie, liés surtout à l'exercice d'une mission sacerdotale et particulièrement difficile, celle de protéger et servir les vies et les biens sur tout le territoire de la République. Le ministre sera possible pour demander responsable Centre Santé pour prendre toutes précautions nécessaires et une façon pour capable protéger l'intérêt de l'État haïtien dans le cadre contrat ça. Yves Manuel, depuis Port-au-Prince, pour la Voix de l'Amérique. Ancien candidat à la présidence Moïse Jean-Charles rencontre la presse pour l'annoncer 2 journées de manifestation contre le système en place là. Nous voulons dire nous, complot américain, plan américain qui gagne pour te fête dans le jour passé, petit de saline crasé avec les Haïtiens. Vous comprenez qui plan vous gagne? Vous avez un plan, Kembe Jovenel Moïse au pouvoir en 2022, et puis bas opposition, Premier ministre et gouvernement. L'OTAN de responsable américain qui a dit que négociation qui fait. Et l'OTAN a rencontré au niveau international, soit dans les Nations Unies ou dans le département d'État, rencontre a fait vrai entre opposition avec secteur qui ont même parti politique qui n'a tête calée, plusieurs partis. Eh bien, qui donc, pour un plan ça, nous craser. Américains doivent prendre leçon. Ils ont tellement pris leçon. Ou aujourd'hui, les gens qui ont utilisé pour parler pour eux, ils n'ont pas de monde. Ou est-ce une série d'anciens d'ailleurs, comme si il y a des terrains battus, viennent parler. Je dis, je me sens confortable.
ça bloque nous confondre dans pays hein bay peuple là on faut gouvernement peuple connaît c'est pour yo mentir c'est bagaille moun qui gen folie bourgeois qui gen folie al faire l'argent qui gen folie al prendre pouvoir ouais là m'a brio m'a demandé qui ça va le faire dans jour qui va venir yo c'est le bagaille pas gen coup d'âme c'est idée qu'a discuter c'est communication politique attaquer nous gens nous voulons parce que peuple haïtien pas égal encore. Nous venons annoncer tout le monde 17 novembre 18 novembre mobilisation va le faire dans tout le pays. Ouais nous-mêmes et pas nous pas lancer. N'a pas parler avec quelques monde dans société civile là pour lancer et mélanger même moi que tout secteur pour nous foncer pour nous mobiliser pour aller devant l'ambassade américaine. C'est ça me devine dit matin. Et ça me devine dit là. On connaît quelqu'un qui va dire petit yo gen diarrhée, on va pas aller. On connaît quelqu'un qui va dire yo gen dans fait mal, on va pas aller. Nous fait appel à tout pays pour ne pas crier devant ces cailles là, mais nous pas crier devant moi 17 18 novembre. C'est ça me devine annoncer la matin. La police dans ville Cap Haïtien présenté par la presse lundi 19 octobre là, plusieurs armes à feu et armes blanches yo saisi pendant diverses opérations yo mené dans ville là. Un reportage Yvan Martin Jasmin depuis ville Cap Haïtien. Opération saisie à ma feu à exam blanche dans Cap Haïtien. Dans le cadre d'opération Coucou Rouge avec Terminator, la police nationale dans le département Nord Pays d'Haïti, présentée par la presse dans l'après-midi 19 octobre 2021, plusieurs armes à feu à exam blanche que diverses unités, la police département, vivaient saisies pendant l'opération pour traquer bandits qui ont créé la peur à la population. C'est dans le moment où il y a un affrontement entre deux gangs rivales que la police est possédée à arrestation d'un chef gang grâce à information. L'été jeune bon côté population selon explication porte-parole nationale la police là dans le département Nord Pays d'Haïti inspecteur Anassé Dorival direction départementale là qui a lancé une opération qui était relée rouge direction générale là ville lance l'autre opération qui est Terminator 1 la police enchaînée avec diverses opérations ça permettent que nous saisissons et dans l'intervalle là 22 âmes que Jodia a transféré dans la direction générale de la police. Si nous regardons, là, nous avons gagné deux fusils de calibre 12, pour l'autre fusil que nous avons nous avons gagné, et sous table là, nous avons gagné 6,9 mm, nous avons gagné 8,38, nous avons gagné 3. Fusil, alors artisanal, ça veut dire les armes créoles là. Et puis nous gagnons 4 manchettes, nous gagnons 2 couteaux, nous gagnons 2 douilles, nous gagnons des choses que nous avons utilisé pour faire les poissons. Et puis nous gagnons une chaîne. Donc, et puis nous gagnons 2 téléphones que nous avons saisi tout. C'est suite à l'interpellation de Wendy Pierre. Que nous pouvons connaître dans le Cap Haïtien, qui était un groupe, qui est le B29, qui fonctionnait dans la zone, dans le bloc carénage. Donc, la police a un groupe qui a attaqué un autre groupe dans le calvaire. Cependant, il y a un groupe qui est Wendy qui a attaqué, qui a joué petit pour cartouche, et la police a interpellé. Le groupe ça a hier matin. Il décide pour le faire attaquer. Alors, dimanche matin, 18 octobre. 18 octobre, là. Effectivement, il décide à l'attaquer pour le calvaire. Donc, la police qui était informée par l'opération Sahara, a pris toute disposition depuis 5h du matin pour arriver jusqu'à 9h. Donc, la police automatiquement n'est pas déplacée. La police a fait coucou sur eux, qui permet que vous ne pas sauver à rien. Vous avez un type de manchette, ça, au couteau. Zam et puis et chaîne qu'on garde là, qui ont pas l'opérer pour ont pas le faire opération, mais la police qui est arrivée, lui stopper opération et le joint bagage sont saisis. Depuis quelques temps, climat insécurité a pas suspendu grandi dans la ville Cap Haïtien. Braquage sous commerçants, assassinat par balle, avec bandits qui a intimidé moun dans la population, pendant que PNH Nord a fait face à gros problèmes moyens.
Yvan Martin Jasmin pour la Voix de l'Amérique, Cap Haïtien. Malgré annonce officielle dominicaine fait pour ouvrir marché binational sous frontière Haïti partagée avec République dominicaine dans zone Wanamet d'Ahabongnan, eh bien, magistrat Ville Wanamet, Luma Demetrius, annoncé pour Haïtien au marché à pas capable de l'ouvrir parce que discussion sur qui gens Haïtien capable de vendre produits par eux dans le marché à pour au clair. Reportage, Jodle Junior Saint-Ville, depuis Ville Wanamet. Magistrat commune Wanamet là, Luma Demetrius, dans tête une commission qui gagne là dans la représentant plusieurs institutions cap discuter avec autorité dans Dahabon en République Dominicaine sur une possible réouverture marché bilatéral là qui était prévoit pour jeudi lundi 19 octobre 2021, décidé camper avec discussion yo et puis toujours qu'un fait main frontière côté haïtien yo pour plusieurs raisons parmi yo faut autorité dominicaine yo accepter machin haïtien yo exposé et puis vendre produit yo tout en République Dominicaine. Magistrat Luma Demetrius. Donc, la dernière réunion, tu as une commission qui est chargée pour te gagner ça. Il y a un protocole qui est signé entre magistrat Dabon avec magistrat Wanamet. Donc, c'est à mon grand étonnement dans les réseaux sociaux côté que magistrat dominicain qui c'est Santiago Ribeiro Arias. Donc, lui-même il dit avec protocole ou sans protocole, l'a invité haïtien au vin acheter. Et ça fait réunion que de fait aujourd'hui. Nous pas participer, nous voulons l'aide by magistrat pour nous dire que nous pas prendre ça dans mer. Et c'est un marché, nous t'apprenons même côté que Dominique a venu installer produit, de même que Haïtien a installé produit en République Dominicaine. Voilà. Donc eux-mêmes, ils ont dit, ils ont exigé nous pour nous venir acheter seulement. Nous dit, faut que nous allons vendre. Nous dit, faut qu'il y ait une commission mixte de gestion de marché. Et nous demandons à la population haïtienne, non, qu'elle rete. Et que demain, si tu veux pas, tu as pile les frontières même. C'est une question de Dominique qui est pour vendre, nous qui est pour vendre, puisque c'est un marché, et puis accepter nous à le vendre, nous-mêmes n'avons pas acheté pour nous donner. Oui, mais ça, c'est un à partir du moment que nous avons parlé là, frontières, lui-même n'a pas campé activité, ni pour machine qui a acheté marchandise, et ni pour machine. Cap tourner avec ma candidature. Bon côté Payo, plusieurs membres de la population Wanamet lan qui vivent sous activité qui gagne sous frontière manifestent contentement yo pour décision ça autorité haïtienne yo prend. Même si d'après ça yo dit ça capable gagner mauvais conséquences sur la vie yo. Quelques nan yo te devant micro à caméra La Voix de l'Amérique. Oh, et magistrat pour ça, avec tout le monde, c'est chef, nous magistrats, c'est d'être de nous-mêmes. Nous-mêmes, tout pour bon côté Haïti, nous pas d'accord avec ça. Et sinon, ça, pour nous d'accord avec, on dit, je crois, que c'est fermé, on est supposé fermé, faut dire bon côté Haïti. Monsieur Novia, c'est responsable association. Le programme ça, c'est une alternative au refuge des femmes des bruns, en partenariat avec Food for the Poor et ONU Femmes, pour nous capables de permettre une vingtaine de femmes prostituées venir autonomes. Pour gagner une autre alternative que prostitution. Nous devons au moins bailler mesdames un autre choix. Je pense que nous devons manquer en période Covid là. Mesdames, nous pas de sortir au travail et nous pas de rien pour faire. Nous devons passer misère sur le grand goût et la police qu'on a battu dans la rue parce que nous devons obligé malgré Covid de mettre la vie en danger pour y aller dans l'activité. Dans le refuge des femmes, nous avons une cellule qui travaille même avec prostituées. Parce que nous avons des refuges des femmes sont organisations qui travaillent avec toutes sortes de femmes vulnérables. Nous travaillons avec les femmes PVVIH, les femmes vivant avec le VIH. Nous travaillons avec femmes prostituées, nous travaillons avec femmes lesbiennes, bisexuelles et trans. So, nous venons avec le Covid la vini, nous regardons parmi toutes femmes vulnérables que nous avons, nous avons remarqué que ces femmes prostituées sont doublement vulnérables dans la période. Ça, là, parce qu'elles n'ont pas gagné l'autre activité pour le faire. So, nous pensons que c'était important, nous avons mobilisé ces cellules pour sortir dans la rue, aller dans le point chaud, dans le bordel côté nous connaissons mesdames qu'on y est. Et puis, on a fait recrutement, on a parlé de l'activité, pour gagner qui naturellement pas intéressé, mais ça que nous joignons d'ailleurs, nous n'avons pas besoin de trois, parce que nous avons 20 que pour nous recruter, et puis nous avons pris au fur et à mesure. Et après formation, chaque y a gagné une machine à coudre, que Food for the Poor est en bas nous, et puis nous avons gagné, on a une sorte de contrat avec eux. Pour 20 femmes, ça y a bien pour prendre un nombre de temps pour fabriquer 100 000 masques. On a fini à prendre, parce que dans la couture, on n'a pas pris un masque. On n'a pas besoin de faire bonnet, on n'a pas besoin de faire jupe, comme si il y avait un minimum pour dégager. Et puis, on a tout besoin de machines, on a besoin de matériel de couture pour accompagner. Et puis, même avec ça que y a gagné, en plus, on a besoin de frais pour 100 000 masques que y a pour faire pour nous. Avec frais, ça y a même, y a qu'à continuer à acheter tout le matériel pour continuer de travailler. Non, nous prenons Croix des Bouquets, Carrefour, Pétionville, Port-au-Prince. Au contraire, nous gagnons avec, après le programme que nous avons fait avec Food for the Poor et ONU Femmes,
nous allons avec nous encore pour nous faire dans l'autre département qui c'est le nord, nord-ouest et grand-ouest. Alors, formation, parce que dans chaque programme, ça va nous faire, nous avons toujours formé mesdames en couture et nous avons tout en formation en entrepreneuriat et marketing qui pour aider les filles à apprendre comment vous vendre. Et nous, dans le programme, nous allons faire avec nous, nous toujours fait pour savon liquide, sanitizer, shampoo, détergent. Mais dans ça, nous pas bien face à la donne. Mais ça que mon yo a gagné même pour dégager, il a gagné contrat que a bien avec nous cap ba un moyen en mais pour commencer acheter matériel et même pour continuer. Durée formation en tout. Alors projet a c'est 3 mois, mais formation c'est 15 jours. Et dernier débat élection présidentielle américaine entre président Donald Trump avec candidat parti démocrate là Joe Biden a déroulé dans Nashville état Tennessee jeudi 22 octobre là avec nouveau règlement pour éviter deux candidats pas parler en même temps. Président Donald Trump exprime des accords avec décision, il considère qu'il n'est pas juste. Modérateur débat, c'est correspondant NBC dans la Maison Blanche, Christian Walker. Campagne président Trump dit débat doit concentrer plus sur questions internationales. Campagne candidat parti démocrate Joe Biden dit président Trump a caché façon administration liant à gérer pandémie coronavirus là. Deux partis d'accord pour modérateur a choisi sujet discussion pour dernier débat. Chaque sujet ou bien chaque segment a duré 15 minutes. Candidat a eu 2 minutes pour répondre avant une discussion ouverte sur le sujet. Deux campagnes d'accord avec 2 minutes sans interruption. Pandémie COVID-19, là, c'est un sujet qui est capable de décider le résultat de l'élection 3 novembre. Pendant un rassemblement populaire, président Trump a fait, ça va bien longtemps dans l'État de Floride avec personnage. Il a été déclaré qu'on a vu sa presque caba et puis développement un vaccin à approcher. Message moins pour vie à yo, je dis à c'est optimiste, confiance avec espoir. Nous pas de faire sacrifice pour grand merci. Jour de délivrance là presque arrivé. Nous presque arrivé dans coup là. Quand il a passé démocrate là Joe Biden continue à accuser président Trump, il dit qu'a diminué importance pandémie COVID-19 là, dans moment quand il ca yo pas augmenter aux États-Unis. Tourner dans Koubla, l'éternel, virus ta pourquoi disparaître, la augmente pito, la augmente tant qu'on nous te prédit. Pandémie a une tendance reléguée en deuxième place, question qui est habituée à dominer l'élection passée. Expert dit, pandémie classé en première position devant sujet tant qu'on, commerce libre, immigration, soins santé, changement climatique, doit pour faire avortement avec contrôle d'armes. Mark Jones, professeur politique dans Rice University, déclaré « Pandémie COVID-19 a dominé une série de sujets. Il a toujours existé, mais la pandémie, c'est un sujet nouveau qui n'a pas existé avant. Je dis c'est un sujet qui a dominé l'actualité et qui détermine la position candidat avec façon électeur après le voter. Façon administration de plan gérer pandémie, c'est le sujet principal support des deux partis politiques qui ont discuté. Les républicains n'ont pas d'accord avec restriction pour fermer l'activité économique pour freiner l'expansion du virus. Ils mettent l'accent sur le droit citoyen pour ne pas porter masque dans la figure et puis respecter la distance physique parmi les restrictions autorités imposées. Matt Terrill, stratégiste républicain dans Firehouse Strategies, déclaré que discussion a déroulé sur mettre masse dans figure ou bien niveau intervention Biden gouvernement sur sécurité publique avec l'autre élément dans la vie chaque monde. C'est une série de bagailles que nous avons observé jeudi là. En contraste, le candidat parti démocrate Joe Biden a démocratie au mandat de responsabilité collective pour diminuer le niveau de taux d'infection et puis permettre l'activité commerciale de commencer. Le candidat parti démocrate là qui a dominé dans le sondage, concentré pour faire élection en tournée, il y a un référendum sur façon président Trump a géré la pandémie. Campagne président Trump plan, beaucoup de parle promettre pour relancer l'économie après fin pandémie. Pendant ce temps, plusieurs milliers de citoyens dans l'État de Floride commencent à voter en personne depuis lundi 19 octobre là. Jusqu'à lundi 19 octobre là, il y a presque 30 millions d'électeurs américains qui soient votés par correspondance ou bien en personne avant l'élection 3 novembre 2020. Chiffre ça a représenté une participation